Eh bien, bonsoir à tous, heureux peut-être pour certains. C'est moi, j'ai pas dit bonsoir à tous les écouteurs, heureux peut-être pour certains, je m'en veux, j'ai oublié, pardon, évidemment, les écouteurs, excusez-moi. Bon, eh ben, du coup, on n'aura pas fini God of War. Je pensais finir le God of War ce soir parce que, de mémoire, c'était beaucoup plus court ce qui me restait à faire dans le temple avec tout ce qui était tombe de l'architecte et tout. Mais ça a pris un peu de temps. Là, on est à la fin de ce truc au niveau des tombes d'architecte et tout. Hein. C'est normalement, de mémoire, là où je me suis arrêté, il y a juste une cinématique. Ah, quoique, il y a peut-être un... Bon, bref, mais on est vraiment à la fin. Après, il nous restera un autre gros passage avant la fin. Enfin, un gros passage. Il nous restera un passage. Donc, on finira ça dimanche tranquillou. Et puis, voilà. Du coup, Luigi's Mansion. C'est Luigi's Mansion qui a quand même basculé en jeu de deuxième partie en ce moment. Pourquoi pas. Après, peut-être que je changerai plus tard pour mettre Skyrim en deuxième partie ou pas, ou... Je sais pas. D'ailleurs, Skyrim, je sais même pas quand je vais en refaire non plus, d'ailleurs. Parce que j'aime bien le mettre en première partie de soirée pour le moment. Mais peut-être que je changerai ça, je sais pas. Il y a plein de je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on reprend les lives jeudi, hein, après ce soir. Et qu'à mon avis, on fera du Super Meat Boy. Parce qu'il faut avancer aussi sur cette merde. Entre jeudi et vendredi... Enfin, jeudi et vendredi, on fera du Super Meat Boy sûr, je pense. Et samedi, je sais pas. J'aime bien avoir le samedi... avec des jeux, disons, moins prise de tête. Ça, j'aime bien. Et puis, bah, on verra. Mais pour le moment, on va continuer Luigi's Mansion 3. Le 100%, je rappelle. Ah oui, à propos du 100%, avant qu'on commence, je me suis renseigné pour savoir comment on obtenait les fantômes rares dans le jeu, et c'est dans le mode online, et bah on le fera pas, parce que j'ai pas envie, parce que je sais pas si c'est ouf le mode online ou quoi, ça peut être très bien, hein. Mais j'ai envie de me contenter uniquement du scénario en live, en tout cas, et puis même tout court, parce que je pense pas... essayer le mode online après avoir fini le jeu en live, en tout cas. Bref, et ben allons-y, let's go. Long le temps de chargement à chaque fois. Ça se voit qu'on n'est plus sur PS5. Hein. Par contre, je l'avais pas dit sur Skyrim, mais j'ai trouvé que sur la version PS5, putain, les temps de chargement, ils étaient quasi inexistants. Hein. Putain, quel bonheur. Je me rappelle que Skyrim sur PS3, genre, chargement, c'était pas ça. Hein. Même sur PS4, c'était plus lent. Scénario. Ça dit quoi déjà? Il nous reste 6 boutons à trouver. Oui, bon, ça c'est pareil. Hein. Il va nous falloir encore 2-3 lives pour finir. 6 boutons, et d'ailleurs, je crois qu'on est en quête d'un bouton. J'avais arrêté un peu en plein milieu d'un niveau la dernière fois. Si je me souviens bien. D'ailleurs, ça dit quoi au niveau des gemmes? Il dit qu'il m'en manque 4. Très bien. Ah oui, avant toute chose. Parce que je vois qu'il y en a un là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc de la machine à café là que... Il n'y a rien à faire apparaître visiblement. Ça fait du café, hein, mais c'est tout. Ouais, c'est pas plus que ça, hein, visiblement. Pas grand chose de plus. Et puis je vois pas quel objet.
quel objet pourrait faire le taf en fait, genre à mettre à la place de la cafetière ou quoi. Peut-être que les trucs au plafond doivent descendre après, je... Je sais pas. Non. Bon, pour le moment, je ne sais pas. De toute façon, on y reviendra quand tu auras le bout et tout aussi, hein. Et puis j'achèterai probablement les détecteurs de gemmes s'il faut. Même si là, je sais où est la gemme, c'est pas le problème. Mais... C'est que je ne sais pas comment l'obtenir. Voilà, je me fais rincer. Bon, la scie, apparemment, elle ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je peux me déplacer comme je veux? C'est juste un peu longué. Je regarde un peu ce qu'il y a là. Alors j'ai une pastèque, certes. J'ai l'impression de pouvoir en faire grand chose. Ah, je peux pas baisser. Bon bah, je sais pas. Ok, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, bien. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais de beau, toi? D'accord. Il y a quelque chose là, mais je peux pas trop reculer avec l'eau, malheureusement. Peut-être que je pourrais faire monter Luigi après. Du coup, je ne sais pas. Ah, c'est juste pour ça. Alors, attendez, je regarde un peu. Oui, d'accord. Ah non! Tout va disparaître! Bah ouais! Je vais essayer d'aspirer le plus possible. Ça marche. Tout cela fonctionne tout de même. Allons par là. Regardez ce qu'il y a là. Ça, il faut pas y aller. Hein. Ouais, non. Vaut mieux pas, effectivement. Non, il y a quoi là-bas? Ça, je le vois bien, mais... D'accord, alors. Et ça fait quoi? Pour la science, hein. Très bien. Alors, pour le moment, on va faire ça. Merde. J'avais pas vu. Pardon, pardon. Ça me mène où, l'autre côté, juste pour voir? Un peu au passage, j'ai l'impression que il est dans tourloupe. Alors, pousse-toi mon grand. Il s'éclate en tout cas, hein. Il fait genre il a peur, mais c'est une connerie ça.
Ah, c'est juste pour ça. Enfin, c'est juste pour ça. Bah, c'est glissant. Il est passé tout seul, parfait. Des pics. Non. Ah oui, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à faire ça avant qu'il arrive au bout. C'est ça. Hein. Sinon la bouée va péter. Il se rapproche vite, il se rapproche vite. Eh bah. Allez, faut que je continue. Je vais peut-être probablement crever, hein. Ouais, faut que je c'est vrai que je peux jouer un peu de ça en fait, hein, du fait de le ramener. Ah merde! D'ailleurs, il se passe quoi juste en faisant ça? Pas grand chose. Ah, ok, je peux pas. J'ai essayé de passer une ventouse, mais. Ouais, là non plus, je peux pas, j'ai l'impression. D'accord. Ouais, mon grand. Alors là, il faut que je trouve un truc pour qu'il puisse traverser, hein, ce bougre. Mais je ne sais encore quoi. Oh, bah, pas ça. Alors j'ai vu qu'il y avait une barrière là-bas et j'ai failli me la prendre. Et que pas cool quoi. Je ne vois pas ce que je dois. Mais il s'est retrouvé là-bas? Comment il a fait pour se retrouver aussi loin alors que je l'avais laissé ici? Comment il a fait? J'ai pas compris. Bah, tant mieux. Ah, bâtard. Je pense pas que ça ferait ça si vite en fait. Ah puis il faut que je recommence mon épopée. J'aimerais bien voir ce que ça fait de tirer ça au milieu en fait. Hein. Ouais, je l'avais pas testé ça.
de si fou, finalement. Je vais attendre un peu avant de m'engager parce que voilà. Let's go, let's go, let's go, 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 go. Voilà, je vais passer à côté d'eux parce que... Le château de la Thunasse, évidemment. Bonsoir à toi, taverne, comment tu vas? C'est, le pognon est engrangé dans cet hôtel n'est pas permis. Hein. Bah ça va très bien, ça va très très bien. Je pensais finir God of War ce soir, mais du coup non. Mais c'est tout quoi. Oh non. Attends. Mais mis à part ça, ça va très bien. Oui, puis encore, c'est même pas très grave de pas avoir fini God of War ce soir. Ouais, le PQ en billets. C'est des feuilles d'or, oui. Ouais, les deux, hein, de toute façon, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un hôtel de luxe parce qu'il y a du bif partout, de toute façon. Hein. En vrai, ça fait peur quand même. Hein. Allez, viens là, saloperie. Eux, ils sont pas méchants. Les violets, ils sont chiants un peu en vrai. Sur Elden Ring en même temps de salle de ambiance. Ah oui! Ah, Elden Ring, j'imagine que c'est beaucoup plus simple que Luigi's Mansion, de toute façon. Ah, il m'attire quand même, hein, sur Elden Ring, mais pour l'instant, je me retiendrai encore. Bien sûr, bah oui, oui. De toute façon, en même temps, les jeux From Software, c'est un peu pour les bébés, hein. J'ai toujours dit. Il y a quelque chose chez lui là, non, même pas. Bon. Kirby, c'est un jeu de bonhomme, ouais, ça je suis d'accord. Je respecterai toujours plus quelqu'un qui a déjà fini Kirby que quelqu'un qui a fini un Dark Souls ou quoi. Alors par contre j'ai fait ça comme un sac. C'est pas grave. D'accord, j'ai compris à quoi ils servaient les tuyaux. Enfin les trucs là. Hop. Tant qu'ils reviennent. Parfait. Je suis juste trop fort.
Ça m'énerve d'être trop fort des fois. Je sais pas si toi ça te le fait. Du coup, demain, toujours comme prévu, hein, tu fais du XCOM pour être sûr. Puis mercredi, soirée ciné. Point faible, trop fort. Bah oui. Mais c'est chiant, hein. C'est chiant d'être fort. À chasse d'eau. Très bien, l'eau est revenue à son niveau antérieur. Tu peux repartir par là où tu es arrivé et t'occuper de ce gardien. Incroyable. Alors, c'était prévu jusqu'à un de mes collègues soit Covid friendly et que je dois faire la fermeture demain soir. D'accord. Bon. Et bah demain, je live finalement les enfants, je vous le dis en exclusivité. Ah merde! Merde, merde, merde. Et du coup, mercredi. Je suis curieux, hein. Ah! Tout va bien. De toute façon, ça fait toujours plaisir quand même le Covid. D'accord. Bon. Par contre, mercredi, je ne naïverai pas, les enfants. Ouais, bah demain, je ferai peut-être pas du Super Meat Boy. Je me le réserverai peut-être pour jeudi, vendredi. Et éventuellement samedi. Mais du coup, on fera Luigi's Mansion ou Skyrim, hein, je pense. L'inverse, Skyrim ou Luigi's Mansion. On n'est pas des bêtes. C'est bête, ça, non? Ah, il y a de l'eau. Il peut vraiment pas. Non, il peut pas. Il peut vraiment pas. Ah, mais c'est à ça que ça sert les bombes en fait. Ouais, mais il y en a plus. Soirée film, tel jeu. Oh. Ça vend du rêve là. Ça vend du rêve. Déjà, la soirée film. Se suffit un peu à elle-même, tu vois. Alors, si en plus il y a du jeu. Je suis chaud, hein. On dirait que tu es dans un cul-de-sac. Bon, tu n'as plus qu'à repartir et poursuivre ce gardien. D'accord. Va-t'en avec. Le ballon qui flotte là. Ça m'inspire clairement pas confiance, il va y avoir un clown dans le bazar. Et du coup j'ai fait The Procession to Calvary là, qu'on en avait parlé. C'était incroyable, hein. Vraiment. Salut Papo, dégoûté, j'ai eu la notification, je suis venu tout à l'heure, il y avait l'autre jeu, ah. Bah salut, salut à toi, comment tu vas? Il faut que je regarde la rediff. Ah, après je sais pas si tu peux te le faire ou quoi, le jeu, mais si tu peux te le faire avant, n'hésite pas à le faire avant de regarder la rediff en tout cas. Mais c'était incroyable. Ah oui d'accord, ils ont des... Ah, bâtard. Ah. Comment je fais? Ils sont gentils eux, mais... Bah... Bah oui, j'ai bien compris que leurs lunettes posaient problème, mais Y a rien pour les aspirer? Mal au bras et toi? Non, moi ça va, en vrai, ça va. Ça va, ça va. Parce que oui, j'ai été à poncer Chalisson, gros. Je voulais tout ça. Par contre, la douche m'a fait plaisir.
Mais merde, mais comment on fait pour les tuer ces cons-là? Aïe. Ah, tu vois. Ils sont chiants. Moi je veux les tuer. Ouais, alors ça fait plaisir. Ah ouais, bah merci taverne. Enfin, j'aurais pensé au bout d'un moment, mais tu sais, genre au bout de 3 heures en fait. C'est souvent mon cas. C'est... Je trouve ça drôle, mais je trouve ça triste. J'ai l'impression que, genre, tu vas partir un peu comme dans Ghost, tu sais. Je vais pleurer. Ok, bon, j'ai réussi à tuer les cons. C'est quoi ça? Oui. Bah, va voir là-dedans, mon grand. Après, t'es dégoûté de pas avoir eu la notif, Allison, mais j'ai pas commencé il y a longtemps. Ponçage validé par le chef, ça va pas très bien. Très bien, très bien. Il a été voir du coup. Ah, j'imagine, hein, ça m'a pas dit. Parfait, écoute. Pourquoi j'ai du feu? C'est pour alimenter la chaudière. Je crois. Qu'est-ce que j'en fais? Ah, bah je fonds. Là, ça fait déjà 30 minutes. Donc, ouais, ça fait quand même un petit moment, tu vois. Mais ça fait pas 1000 ans, enfin. Ouais, je commençais genre, ouais, il était minuit et quelques. Oh. Ah, mais c'est ça qu'il faut alimenter. Moi aussi. Oh, c'est beau. C'est mignon. Mais moi aussi, je fonds pour toi. Ah! Bon, en tout cas, je vais avoir une gemme. Cette bromance éternelle de Twitch, quand même. Il m'en reste 3. Il y en a une que j'ai repérée, mais je sais pas comment l'avoir. Parce que j'ai pas envie de dépenser toute ma thunasse pour me les indiquer sur le radar, là. Évidemment, la plus belle. Qui peut nous arriver à la cheville? C'est une vraie question que je pose. De quoi? Non. Ah, je voulais défoncer le poisson, mais tant pis. Il y a un héros sur Elden Ring qui a mis des messages attention postérieure quand un ennemi. Incroyable. Incroyable. Ah, il faut retrouver cet homme, son pseudo, le contacter, lui dire merci. Moi, c'est quand je faisais Demon Souls, là, il y avait aucun message utile, c'est un délire. Enfin, très peu en tout cas. Je peux pas dire aucun, ce serait mentir. C'est la première fois que je vois ça. Bah ça. Qu'est-ce qu'il est? Il est con. Ah, je sais ce que je vais faire. Tiens, mange-le lui.
Ils sont tous jetés sur moi. Oh là là, la touche d'argent que je prends. J'aimerais bien des fois trouver des coffres. Et même pas qu'il y ait de l'argent dedans, juste trouver des coffres. C'est ma passion un peu les coffres. Vous, je sais pas, mais... Ça met nous ça. Bon. Why not? Ça c'est pareil, ça se détruit pour moi. J'ai l'impression que c'est du mur pas solide. J'ai l'impression qu'il y a des choses derrière aussi. Bah ouais, et puis en plus, du coup, ça s'est bloqué là. Non, c'est pas là. Ouais, alors ça, là. Est-ce que je la vois, là? Ah, ça me rend fou. Ça se trouve, c'est peut-être même pas la... Est-ce que je l'ai, la bleue? Ah, je l'ai pas. Ce que j'allais dire, c'est peut-être même pas une clé, en fait. C'est juste le reflet de l'ordinateur ou quoi, mais... Non, non, il y a... Il y a un truc là. J'arrive pas à trouver le pourquoi du comment. C'est vraiment que je cherche. Hein. Il y a ça, je peux faire du café. Je crois. Et puis bah voilà. C'est déjà bien. Je suis chaud pour le café. J'en étais sûr que t'allais te manifester. Après que j'ai annoncé cette nouvelle. Ah mais il y a un prolongement là, putain, j'avais pas été là. Après, je sais pas s'il va y avoir la solution là dans le coin, mais. Tout de même. Il y a l'air d'y avoir une chicaboule là. Ouais, bah, je sais pas si je peux l'avoir. Faut peut-être un projectile, mais il y en a pas dans la pièce. Donc pas, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Le lustre il bouge walou. La chaise c'est de la merde. Mais ça c'est quoi? Ah mais il faut clairement mettre genre la cafetière là, non? Je sais pas, hein. Faut la déplacer à deux. J'ai l'impression que cette cafetière elle est pas là en fait. Il y a juste le dessus et le reste c'est transparent. Je ne sais pas. Alors, parce que là, il y a ça. Là-haut, il y a un électeur, là. Puis là, il y a du café. Je l'ai fait il y a pas longtemps, mais j'ai plus fait. Ah, moi, ce passage-là, j'ai pas dû devoir le faire. Je me rappelle que j'ai vu la fin. Après le reste, j'avais vu un petit peu des rediffs. Mais vu que moi, j'aime bien oublier ce que je vois. Bah, je m'en rappelle plus. Puis en plus, ça, c'est un truc secondaire, tu vois. C'est, donc je sais pas si tu l'as fait. Parce que je crois que tu t'es pas emmerdé à ramasser toutes les gemmes.
Mais ça me rend fou, hein. Puis après, je vais trouver, hein, comme je fais d'habitude. Et puis je vais faire, oh, bah, secours! Je me doutais que ce serait pas ça, mais. Ah, mais il y a quelque chose là. D'accord. Génial. C'est tout, oui, d'accord. Il y a un truc à faire apparaître. Ah, bah peut-être là en fait, je suis con. Ah ouais, bah oui. Moi, je me fais pas chier avec le 100%. Ah, mais moi là, comme j'expliquais en fait, il n'y a qu'un seul truc que je peux pas avoir parce que c'est dans le mode online. Et puis bon, ça me dit rien de faire le mode online. C'est les fantômes rares. Parce que je me suis renseigné pour ça. Et les fantômes rares en plus, il paraît que c'est juste les fantômes normaux mais avec plus de PV quoi. Si des fois je répète pas, c'est qu'il y a pas de poste sur. Ouais, non, t'inquiète, y a pas de soucis. Ah, du coup là ça va faire du vrai café. Ah, ouais. Regardez-moi ça. Ah, c'est bon, il y a du café là. Et voilà. Incroyable. Donc il m'en manque deux. J'avais pas vu que la pièce se prolongeait quand je suis passé deux trois fois là. Descend. Je sais plus c'était où que j'en avais revu une aussi de gemmes, j'aimerais bien aller voir. Oh, c'est pas là. J'aimerais bien essayer de trouver, de voir. C'était vraiment vers le début, je crois. Ouais, voilà. Ah non, je l'avais eu. Bon, peut-être. Non, je l'avais eu. D'accord. D'accord. Bon, bah, continuons. Continuons, continuons. De toute façon, faudra revenir pour le bout. Et éventuellement, les deux gemmes que j'aurai pas. Ou la gemme que j'aurai pas. Ah bah d'accord, oui, j'allais dire. Putain, mais le coffre-fort, il est là où il y a l'homme à tout faire. Qu'est-ce qui protège? Tout la thune de l'hôtel, il est dispersé, mais le coffre-fort. Il protège l'homme de ménage. Pour le PQ normal, ouais, bah oui. Évidemment, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Du coup, j'imagine que. Ah oui, d'accord, il se passe des choses. Laisse-moi. Putain, il est trop chiant. Non, ah ouais, mais barre-toi. Ah mais... Au secours. Ah, il est chiant, blague à part.
Bah oui. Après, c'est peut-être une bonne strat. Non, pas du tout. Au secours. Ouais, juste à côté de la bombe, c'est pas mal. Je vais crever. Allez, le cœur. Bien, non. Oui, bien. Ouais, mais du coup, il s'est rien pris. Ok, je vois. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'aspirer la bombe pour faire quelque chose, mais il faut pas. Mais il faut que je le pousse, en fait, je crois. Ah oui. Bien. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. J'ai eu un peu de mal. Parce que je suis con quand même, globalement. Et si je peux aspirer les bombes? Ouais, je vais crever. Ah, fait chier, je vais utiliser un os du coup. Je crois que c'est la deuxième fois du jeu que je meurs, je suis pas sûr. Ah mais va-t'en, mais putain, il me spawn une kill. Quel enculé. J'avoue. C'est hardcore, hein. Alors du coup j'ai compris ce qu'il fallait faire. Parfait. Ah il faut que je... Oh. Pas cool ça. Clairement la Dark Soulsisation de Luigi's Mansion. Bah, de toute façon Luigi's Mansion c'est un petit peu le papa hein, des Dark Souls, on va pas se mentir. Ils se sont globalement inspirés de ça. Il est si loin et il n'y a qu'une échelle, au secours. Ouais, mais peut-être que je peux. Non, si. Ça marche, je vois. Mais non, mais même pas. Mais quel fifrelin. Fils de fille de joie. Alors, j'arrive à bien l'enchaîner maintenant, hein, mais le problème, c'est le temps de l'atteindre. Ah mais selon... Non bah non, j'allais dire selon de où je le jette, il est plus ou moins proche, mais peut-être que si. Je sais pas. Hop, 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 hop. Allez, viens là, salaud. Putain, il l'a pas touché. Non! Aïe. Allez, allez mon grand. Allez Luigi, tu peux le faire.
Ah, il s'assomme tout seul aussi, d'accord, quand il tourbillole trop. Attends, alors j'ai pas eu le temps de tout lire ton message. Déjà, tu as perdu dans un monde avec des monstres. Dark Souls, c'est juste une Pac-Manisation. Ouais, c'est vrai. Pac-Manisation. Totalement ça, en fait. Dark Souls, c'est juste Pac-Man en 3D. Oh, il va savoir tout. Ah non. J'ai cru qu'il allait se faire par lui-même. D'ailleurs, je crois que... Alors, c'est pas officiellement canon, parce que ils avaient perdu les droits de licence entre deux, From Software. Mais je crois que officiellement, enfin non officiellement, c'est la suite de Pac-Man, hein, Dark Souls. Allez, c'est bon, t'es fini. Eh ben, le salaud. Peut-être contre lui que j'en ai plus chié pour l'instant. Waouh! Ouais, ramasse les cœurs avant qu'ils disparaissent, on verra après. Ramasse les cœurs. Bien. Ramasse Sextoy aussi, on sait jamais. Bien. Ah oui, non mais très clairement, très clairement. Le délire. Des âmes à libérer et tout, c'est juste Pac-Man et les fantômes, hein. Il est sur l'autre rive, il est pas dans la piscine. Non, il est dans la piscine, c'est juste que le jeu est sous de moi. Ah non, il faut que je baisse l'eau. Ah, pardon. Pardon. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, descend. Quoi la dé? Pas rien alors. Dans le frigo. Je fouille en même temps, hein. Enfin, j'en profite même pour fouiller avant de prendre le truc. Bon, bah. Pour faire quelque chose de ça? Pas l'impression. Ah ouais, non, ça s'aspire pas, hein. Ça s'aspire pas. Ouais. C'est quoi tous ces trucs rouges? Oh, j'ai pas l'impression que je peux y aller, hein. C'est juste de la déco. Ouais, bah ça fait qu'il me manque toujours de gemmes là. Un peu chier. Il y a une porte en bas pour une autre pièce. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Pouic 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 pouic. Un si grand vide et il y aurait rien. C'est de la bouffe, non? Attendez. Ça, c'est... D'après mon expérience... Ça, c'est pas là par hasard. C'est pour me montrer quelque chose.
d'abord, j'invente des choses. Attends, viens là, toi. Je peux pas. Quel enfer. Bah. Ah, il se fout de ma gueule. Mais. Ou quoi? Allez, on va s'y mettre deux. Non mais vise pas. Oh. Bah j'ai appuyé et l'autre il a pas fait. Qu'est-ce qu'il branle hein? Mais... Au secours. Tiens, allez, voilà. Non, non, d'accord, le frigo, il peut pas bouger. Ça paraît un peu bizarre, mais... Pourquoi pas. Bah ça, par contre, ça me paraît bizarre. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, je vais revenir. Hein. Je vais revenir avec l'emplacement des gemmes. Puis basta. Par contre, c'est par où la sortie? C'est rigolo, mais... Ah oui, c'est par là, je crois. Parfait, non. Même pas. Bah. On en est là, j'arrive même plus à retrouver la sortie. Mais merde. Par contre, ça, là, il y a un truc à tenter, non? Si je fais ça. Ah, par là, c'est ça. Ah, c'est ça. Pardon, hein, des fois. Des fois, ça ne va plus. Il me semble pas que ce soit là, il me semble que ce soit là. Parfait. On avait fait ça, c'est bon, ok. Bon, on va aller au labo, on va acheter ce qu'il faut pour revenir dans de bonnes conditions. Puis bah, après étage 10, hein. Je suis un connard, hein. J'aurais juste fait labo depuis le menu pause. J'aurais pas eu à me retaper l'ascenseur pour revenir là et tout. Bref, c'est pas grave. On va dire que ça fait plus réaliste, CRP. Je vais peut-être acheter un os aussi, hein, parce que du coup j'en ai perdu un comme un con. Vas-y, rentre là-dedans. Follow me. Ok. Et merci pour le follow. Run, like, Haruka, merci beaucoup. Bienvenue chez les écouteurs. Galerie déjà pour commencer. Je vide le sac d'aspirateur. Un petit coup sur les gemmes déjà. 2
Ah, ici, il m'en manque une, mais je suis toujours persuadé que c'est une amélioration que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ok. Fantôme, je voulais voir les bouts. Ça, on les a tous. Ça, je vous l'ai dit, on s'en fout. Les fantômes notables, allez, regardons un peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Non, fantôme encore. Et bout, voilà. Alors, celui-ci en B2, étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai du mal compter. Ah oui, non, c'est parce que j'ai compté le B1, donc oui, c'est 9. Ok, il manque que le B2 pour l'instant. Boutique. Ah, le bâtard, il les a même pas reçus, les détectobous de c'est mort. Détectogème, je vais en acheter que deux en espérant qu'il va me détectogémer ce qui me manque. Ah, les os dorés, je vais en acheter 3. Ça veut dire que j'en aurai 5. Incroyable. J'en ai commandé, il en a commandé. Bon. J'espère juste que le détectogème c'est pour le bon étage. On va le savoir tout de suite. Parce que le fait qu'il en ait 8 en réserve, ça veut dire qu'il a aussi les 6 autres. Les 6 de l'étage 10. Et bah, je veux pas les acheter pour l'instant, je veux trouver par moi-même quoi. Économiser de la thune. Ok, donc il y en a bien un là-bas. On va aller voir ça. Que l'autre il est indiqué aussi par contre. Alors l'autre il est pas indiqué, mais ça veut peut-être dire qu'ils sont tous les deux dans la même pièce. On verra dès qu'on aura trouvé le premier. Là, par contre le bout je le sens. Je vais peut-être faire d'une pierre deux coups. Il est pas là. Une porte là-bas. Ah, il y a une dalle. Peut-être qu'il est tout en bas de là-bas. Je sais pas. On va voir. Après avoir un bout, si on achetait des tectobous, c'est bien aussi, hein. Il peut pas être là. Ça vibre faiblement. Ça vibre beaucoup là. Ah, peut-être qu'il est là. Il doit être là. 100% il est là. Allez, il doit. Bah ou pas. Bizarre. Ah, il est là dedans. Eh oui. Il est bouillant! Il fait un peu chaud par ici. Eh oui. Parce qu'il est bouillant. Ouya, 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 ouya. Parfait. Ouya, 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 ouya. Cette maltraitance envers personne décédée. Ah bon, bah je m'attendais pas à avoir le bout, mais j'ai eu le bout. Vous allez voir que j'ai pas acheté le détecto bout et j'ai trouvé le bout, et j'ai acheté le détecto gemme et
J'ai pas trouvé de gemme. Ça, c'est un classique. Hein. Eh, par contre, comment je fais pour accéder à une pièce qui serait ici? Il n'y a pas de porte là, non, non. Je suis pas fou. C'est qu'il faut que... Je dois chercher parmi les étages plus bas et tout, quoi. Fait chier. Fait chier, fait chier. Cette pièce, normalement, j'aurais pas à y revenir. Et même là, il y a des choses. Hein. Il y a de la moula. Hein. Descendre par là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce système de con là. Mais il sert plus à rien, je crois. Ouais, je crois bien. Très bien. Voilà, ici on sait. Mais il y a un trou juste ici, en fait. Ah, il y a un trou juste ici, mais il n'y a rien de... d'incroyable. Ça traverse lui? Non, pas. Ah, et puis il y a de l'eau en plus. Non. Définitivement pas. Ouais, c'est peut-être moi qui crois que les murs comme ça peuvent se casser et en fait, non, pas du tout. Ça, ça mène où? On s'en fout. Follow me. Ok. Et merci à Neifrox pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue chez les écouteurs, merci beaucoup. Même là, il y a quelque chose derrière ce mur là par contre. Hein. Ça, je ne le rêve pour. Ah, mais... Ça se bouge, non? Ah non, même pas. Je suis en pleine galère. Casse-toi. Non, bon. Ah mais là j'ai pas été non plus qu'il y a... Attendez. Mais nous ça? Je dois monter là. J'ai vu un queutru quoi. Très bien. Ah non. Ah non, je vais pleurer. Ouais, bon, blague à part ça. Ah voilà, c'est encore plus con que ce que je pense. Genre.
peux pas faire tomber ça, c'est pas... C'est nul. Bah ouais, voilà. Le problème est là. Tout le problème est là, les enfants. Ouais, non, ça ne dit rien qui marche. Bon, puis ça se trouve, ça ne m'aurait pas mené à une gemme. En tout cas, j'espère. Je suis où là par rapport à elle d'ailleurs? Je suis même pas au même niveau, hein. Je suis même pas au même niveau que cette gemme. Elle est plus haute, pardon, ou plus basse, mais. Ouais, faisons ça. Bah, j'ai fait ça, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins tout ce que je pouvais faire. Bah, du coup, c'est par où? Enfin, le disjoncteur, ça me fait chier quand même de pas trouver comment l'atteindre. Là, il y a un coffre, je sais pas non plus comment l'atteindre. Ah, ça doit être par là, non? Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut que je trouve le moyen de défoncer ce mur là. Je sais pas, en plus il y a une marque blanche dessus. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un passage au-dessus, mais... Hein. Ah, clairement, il y a une pièce que j'ai pas accès, là, avec tous les murs, là. Je le vois que... Enfin, avec ce mur, surtout. Je vois que je peux pas y aller. J'aimerais bien le faire passer là, aussi, Luigi, mais... Mais il y a l'eau. Bah c'est pas simple hein. C'est pas simple. Là, je vous avoue que... Ça déjà j'ai pas ouvert. Ah si j'ai peut-être ouvert ça. Non pas vraiment. Ah, pas du tout. Je peux pas me balader dans les murs. Non. Plus si... Non. Mais ça, c'est un ascenseur, non? Ça y ressemble, en tout cas. Ah, oh, putain, il y en a une là-haut! Je la vois. Je la vois, je la vois. Et elle n'est pas du tout indiquée sur la carte. Donc, il y aura une gemme d'indiquée pour la prochaine salle. Comment je fais pour monter ça, du coup? Simplement. Enfin, tout simplement. Ouais, je peux pas aller de l'autre côté, quoi.
Je peux pas aller de l'autre côté. Puis Luigi va rien avoir pour le déplacer comme il faut. J'ai l'impression que tous les interrupteurs sont en hauteur maintenant et que je peux plus les atteindre. Je peux plus les atteindre. Parce que, ah oui, à la base, il était passé par là, je m'en souviens. Allez, il revient. Alors, s'il va là, il se passe quoi? Oui. S'il va là... Il se retrouve là, mais il est bloqué par l'eau encore. Je peux peut-être quand même. De toute façon, c'est Aragorn qui l'a dit. Il y a toujours de l'espoir. Non, putain! Je me suis fait chier pour rien! Recommence. Ah, le clic de trop. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a aspiré l'argent. Mais il l'a fait. Ouais, c'est bien joli, hein, mais... Ah, c'est relié à un câble qui va de là. Ah, puis l'autre, il a disparu. Ah, très loin. Donc, je pense pas que ce soit la bonne piste. Merde. Des conneries. Je fais que des conneries. Oh, bouge pas mon grand. Je regarde un truc. C'est peut-être pas si con comme idée. Alors, je viens de là, il faut qu'il aille là. Si je fais ça. Ouais, y a pas un jeu de levier ou quoi. Peut-être qu'il y a tout simplement un truc à faire apparaître ici, je sais pas. Non. Ou peut-être que c'est juste le poulet qui est là. Aïe. Bon, c'est pas grave. Ok. Très bien. Alors, la pièce où je n'arrive pas à aller parce qu'il y a un mur. J'ai vu qu'il y avait un autre accès, visiblement.
faut le trouver. Faut le trouver. Apparemment, il y a deux endroits qui mènent à cette pièce. Quelque chose me dit que ça pourrait être là, mais que je sais toujours pas passer ces murs en fait. Peut-être une capacité que j'ai pas encore. Hein. Je sais pas. On va miser là-dessus. Comme pour la salle 4. À l'étage 4. Puis on reviendra plus tard. Mais je sais pas s'il n'y a pas de capacité que j'ai pas en fait. Je sais pas si j'ai tout ou quoi. Et je dis ça depuis depuis un moment, mais ça se trouve, je dis full des conneries quoi. C'est Almenargue en plus hein. Parce que j'arrête pas de passer dans des pièces et depuis tout à l'heure où j'aperçois l'autre sur la map. Bon, bah écoutez, étage 10. Revoyons ça. Enfin, voyons ça même. Suite pharaonique. Oh. Ça, je me rappelle l'avoir vu chez Taverne. Le boss, du moins. Le reste, je sais plus. Ah, il y a des... It's a trap, quoi. Bref, c'était juste pour vérifier si... comment il s'active, en fait. Une. Ah, c'est moi. Ah, c'est encore. Ah, ah oui, non. Belle prophétie. C'est quoi la suite? Ah. On me couvre d'or, hein. Ok, oui. Ça me paraît logique. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Putain, il y avait une chauve-souris là-dedans. Cassé, ça ira mieux. Je regarde vite fait, mais je pense pas. Peut-être à la place de... Non, non, il y avait un petit renfoncement. Bon. Voilà, ça je l'ai vu chez ta mère. Bon, je sais plus ce qu'il faut faire exactement. Mais... Par contre, si pour trouver les gemmes, il faut que j'aspire tout le sol, je vais péter un câble. Hein. Eh, d'ailleurs. Il y en a une, hein, techniquement, vers là où je suis. Hein. Elle serait là.
Ah oui, c'est vrai que des fois c'est pas, ça indique pas pile poil, pile poil. J'espère vraiment pas, blague à part. Bon, avant de me diriger vers la pyramide, je vais regarder un petit peu les autres trucs. Genre les châteaux de sable là-bas. D'aspirer en même temps, on sait jamais. Ça paraissait évident. Ah ouais? Ah ouais. Ah ça par contre c'est... Ah mais c'est parce que... Ouais, d'accord, j'ai compris l'idée. Qu'est-ce qu'il y a là? Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ouais, puis ça met du sable en continu, donc je pense vraiment pas qu'il y a... Enfin, ce serait vicieux en tout cas de mettre un délire... une gemme dans... Une gemme dans le sable, ce que je viens totalement de trouver là, en fait. Donc non, c'est pas si vicieux que ça. Enfin, si c'est vicieux, mais... Disons que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait réellement parce que je trouvais ça vicieux. En plus, c'était même pas indiqué par un château comme ça, l'espèce de boule qu'il y a là-haut que je sais pas encore ce que c'est. Non, non, c'était juste comme ça en plein milieu, quoi. Quelle bande de salauds! C'est bon? C'est bon. Là, y'a quoi? La grosse moula. D'ailleurs, si je fais ça, juste pour voir. Mon détecteur de gemmes, il m'indique plus. Ça veut dire que c'était possiblement la seule gemme à avoir dans le coin. Ou alors, il y en a d'autres, mais c'était celle-ci qui était indiquée. Ça m'avance pas des masses. On va voir le serpent. Ah bah. De l'autre côté. Ah, ça. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Aspire. Parfait. Et il va faire quoi? Une autre gemme. Ouais. Donc effectivement, il y en a d'autres... J'ai l'impression que c'est un peu la seule grande pièce. Après, il y aurait la pyramide et le couloir où il pourrait y en avoir d'autres, hein, mais... J'ai l'impression que ça se passe par là dans tous les cas, quoi. J'ai l'impression que là, acheter le détectogemme pour cet étage, ça servirait à rien parce que du coup, il m'indiquerait tout le temps la même pièce, quoi. Ça
sans emplacement précis. Elle est où? Allez, monte-toi, mec. Ah. Lui, je pense qu'il est réellement plus fort parce qu'il a deux culs, en fait. Hein. Il aurait pas deux culs. Ce serait juste un fantôme lambda, quoi. Et il serait moins fort. Ouais, par contre, l'archéologie, j'aime bien, hein, mais si je dois retourner tout le sable, ça m'intéresse moins. Bon, bah, je vais essayer d'entrer dans la pyramide. J'imagine que je peux. En espérant que. Il y ait tout ce qu'il faut là-haut. Toutes les gemmes. Ah, alors, visiblement, il y a quelque chose à faire. Ah oui, elle lève pas son sceptre là. Alors? Oui. Heureux. Heureux, heureux. J'étais en train d'halluciner sur le fait qu'il y avait des gemmes cachées dans le sable. Et enfin, une, hein, pour l'instant. Vraiment au milieu de nulle part. Et du coup, j'étais en train de prier pour que les autres soient à l'intérieur de la pyramide, mais pour le voir, faudrait réussir à y entrer. Dans tout le sable, je suis prêt à chercher s'il faut. Hein. Tellement cette histoire... Ouais, j'avoue, en vrai, c'est cool comme idée. Par contre, l'idée, comme je dis, qui était moins cool, c'était la gemme cachée dans le sable avec aucun château de sable, tu sais, qui peut t'indiquer la position. Rien quoi. Et ça fait quelque chose ça? Non. Ça sert à rien, d'accord. Faut pas les remettre en place. Ouais, non. Bon, d'accord. Ouais, c'est. J'étais. En plus, juste avant, je disais, oh, je suis en train de faire ça, mais. Je pense pas qu'il y en aura une, parce que ce serait vraiment une idée. Une idée un peu vache, quoi. Mon cul. C'est toi, peut-être? Il faut que j'aspire ta langue? Non? Même pour. Ah, il y a peut-être des trucs sur les côtés des pyramides que j'ai pas vu. Je vais aller voir. Et c'est là que ça commence à être frustrant, genre pour toi. Même pour des gens qui auraient déjà fait le jeu. Hein. C'est toi, tu sais ce que je dois faire et je suis en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Après,
Après, il y a peut-être un système de sable devant la pyramide. M'étonnerait. Enfin, je vois pas qu'est-ce que le sable viendrait m'aider là-dedans. J'arrive pas à le monter, ouais. C'est un peu la merde à monter, donc non. Je pense pas que ce soit ça. Ah ça, ouais, bah oui, du coup je suis en train de l'essayer même là encore. Autre idée tordue, hein. Est-ce que je pourrais genre monter... Ah, je pense pas que ce soit pour entrer, hein, ce que j'essaye de faire, mais... Encore pour éventuellement voir des gemmes. Non, je peux pas monter dans tous les cas, ok. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est assez galère, quoi. Enfin, ça veut... Je suis pas choqué d'entendre quelqu'un dire... Ah bah tiens, moi non plus, j'ai pas trouvé tout de suite. Parce que je sais que je suis quand même assez con, tu vois. Mais là, pour le coup, j'avoue que je suis pas étonné d'entendre que c'est galère. Mais je trouve ça trop chelou, c'était les petits obélisques là que je peux pas. Je sais pas, ils veulent le ballon de plage boue. Ah, impossible que ce soit ça, mais. Qu'est-ce qu'il y a sous les dalles? Autre idée un peu tordue. Je me dis que lui doit aspirer et lui... Non. Parce que, en fait, elle a les yeux blanches et Luigi aussi quand je fais ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est une idée totalement con, hein, ce que je dis, mais. Ah, puis je peux pas changer quand j'éclaire, d'accord. Ah, mais non, je peux pas. Ou alors en inverse. Arrête tes conneries. Ah! Ah, il fallait juste faire ça. Ah merde. Ah, je vous l'avais dit que j'étais con quand même des fois. Bon. Truc à la con, mais j'ai galère pareil. Ah ouais, non mais. C'est souvent que je galère sur des trucs comme ça parce que je m'approche pas, tu sais, dans le jeu. C'est souvent. Alors ça, j'imagine que c'est un piège. Même pas. Même pot, même pot. Mais j'ai envie d'aspirer tout le sable. Je trouve ça trop bien d'aspirer le sable en fait. C'est le seul jeu. Enfin, c'est la seule fois où je dirais ça de ma vie. Bah, j'imagine que le sarcophage peut s'ouvrir aussi, quoique il y a des portes. Peut-être qu'il faut aller voir des choses avant. Oui, je peux ouvrir le sarcophage.
Mais d'abord. Ça, ouais. Non, ok, il n'y a pas ce que je pensais trouver. Ah, super. L'autre porte. Le tapis, je suis sûr que. Ouais, c'est pas un tapis standard non plus. Ça s'ouvre après. Ou alors j'ai pas encore le truc, mais. Ça s'ouvre, c'est sûr. Ah, ou alors même pas. Attends. J'arrive pas à voir les symboles qu'il y a sur la porte. C'est peut-être en lien avec les torches. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, vraiment. C'est Luigi's Mansion. C'est destiné aux plus jeunes de base. D'accord, en fait il y a l'air d'y avoir pas mal de sol dans cette pyramide finalement. Est-ce m'entends? Le chien a été coupé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tombé dans une trappe, c'est le genre de choses qui arrive quand on s'aventure dans une pyramide mon garçon. Il faut que tu trouves un chemin pour sortir d'ici. Et méfie-toi, cette trappe n'était certainement pas le seul piège. Connard. Okay. C'est incroyable en vrai le sable et tout. Vraiment. C'était moi un autre jeu d'énigmes. Un autre jeu tout court où il faut aspirer du sable pour sortir de là quoi. Ça n'existe pas. Donc je pense que c'est pour ça que ça en fait le meilleur jeu possible quoi. Meilleur jeu du monde. Ah ouais, merci. J'allais dire j'ai l'impression que je vais galérer. Tu veux m'attaquer? Ah! Connard! Tiens, c'est toujours passé. Et tourne-toi. Ouais, meilleur simulateur dans ma... C'est vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. On devrait sortir un jeu comme ça même. Viens, on le fait. Ramassage de sable simulator. Alors j'étais passé et... Je passe plus. Je suis sûr que ça marcherait. Hein. Je suis méga chaud. Évidemment. Aïe! Mon mec. D'accord. Il y a tellement d'araignées. Voilà. J'évite ce genre de choses. J'imagine bien vraiment un jeu du coup avec un mec qui a juste une pelle et un seau pour ramasser du sable sur une plage entière, tu sais.
On dirait bien qu'il y a une porte là-haut. Pourrais-tu regagner la surface par là? Trouve un moyen d'accéder à la porte, Luigi. Pour commencer. Attendez, je commence. Ah, c'est des poupées russes, d'accord. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il faut que j'aspire d'abord le bandage, non? Comment je fais pour le... Ah, peut-être en soufflant dessus, tout simplement. Non. Comme ça. Non. Ah bah, ah oui, d'accord, ok. Ah, yes! Allez, viens là! S'il vous plaît. Parfait. On a la moitié déjà. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose. Quoique. Il a cassé quoi? Ah. Ah, mais il s'arrête pas de tourner en plus. Oh, ça va être chiant ça. Ah, si, il s'arrête de tourner. Allez, accroche-le! Mais putain. Je peux le faire. Regarde, là tu l'as fait. Ah, c'est parce qu'il y en a, je peux pas, c'est ça. Oui, d'accord, je comprends. Ah, je les ai repérés, les pièges. Du coup, est-ce que je peux... Je peux créer des rencontres? Non. Alors, attendez. Alors, c'était là. Ah. Reste là, bouge pas, gamin. Ouais, j'ai pas l'impression que je peux en fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait fait un. Ça aurait rien fait. Du coup. Moi, j'ai l'impression que. Genre le piège il est quelque part là. Ah, attendez, ce jeu je le trouve plus. Il y en a un là. Mais du coup. Ah, l'autre il doit se désactiver. Donc ouais. Bon bref. Ah merde, et j'avais pas vu qu'il était encore sur moi. Ah bon. Je regarde vite fait, j'ai compris qu'il fallait que je bouge le sable pour
jouer avec la statue là-bas, mais je regarde vite fait s'il n'y a rien de caché. Ils sont furieux. Ouais, j'ai pas l'impression. Merde, depuis tout à l'heure j'aspire. Ouais, du coup j'aspire pour les serpents, mais. J'aspire le sable aussi. Et barrez-vous! Ça passe là ou pas? Ouais, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va être un truc... Oh, non. Pitié. Je vois le délire. Ah, je crois. Oh. Eh. Ah, tout simplement. Ouais, bon, bah, j'ai perdu du temps. Je sais pas si j'y arriverai. Ah, puis les serpents, au secours. Allez, 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 allez. Mais cassez-vous, vous voyez bien que c'est pas le moment. Ah. Putain. Bah voilà. Merci, hein. Du coup, est-ce que je vais résurrectionner et je vais recommencer les trois ou genre ça va aller? Bon, je vais te laisser, le sommeil m'appelle, la bise, ça marche. Des gros bisous, mon taverne, et puis à la prochaine. Mercredi sûr, mais... Enfin, normalement. Mais bah, si tu passes, genre par exemple, demain, je sais pas, on sait jamais. Bah non, demain tu travailles, je suis con. Mais des gros bisous. Ah! Putain, heureusement que j'ai des os. Hein. Pour le chien. Allez, venez là. Venez là, bande de salauds. Voilà. Tout va bien finalement. Oh, parez-vous. Foutez-moi la paix, vous. Ah oui, il faut que je... Ah, parce que ça a toujours pas cliqué sur... sur la madame là-bas. Et du coup, j'ai tout aspiré. Ah là 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 là. Bah moi je vais peut-être faire une petite pause. J'en ferai qu'une hein, de pause sur ce live parce que je pense streamer peut-être une heure max après la pause. Tu vois. Mais voilà, je vais faire une petite pause.
Du coup, bah, comme je viens de le dire, petite pause, je vous dis à tout de suite. Que Kadian qui a. Thank you.
Me revoilà, je vous remercie de votre patience. Alors, du coup, attendez, hop, je m'en mets bien. Parfait. Du coup, c'est bon, je sors de cette salle de merde. Ah, je suis désolé, mon casque il est mal mis, voilà. Il a pété. Qu'est-ce qu'il est chiant ce casque, hein? Ah, et la boule s'est enclenchée toute seule. Pourquoi pas, vous me direz. Et mon casque vient encore de se péter. Je suis au bout du rouleau. Alors là, il y a un truc vert à mettre là-dedans. Ah, très bien. Ça m'a l'air d'être le carré, hein. Je me demande si ça va. Si le truc rouge il allait dans les deux, parce que du coup il y a deux trucs verts donc. Allez, Luigi, on va s'en sortir. Mais il y en a dans des pots aussi, hein. J'ai fouillé genre zéro pot donc. Fais-moi arriver, gamin. Il y en avait effectivement. Celui-là, je l'ai pas fouillé. Ah, reviens. Ah, c'est peut-être celui-là que j'ai pas fouillé. Si, je l'avais fouillé. D'accord. Bon, allez, il manque plus grand-chose. Tu peux le faire, mon gamin. T'es un warrior, Luigi. T'es un warrior. Bien meilleur que Mario, je l'avais déjà dit. Spectationné par là. Qu'est-ce que l'on fait de ça? Tiens. C'est marrant ça. Attendez un peu, hein. Ah bon. Bah, j'ai activé le truc, on va voir ce que ça dit, mais. Il reste un serpent là. Ça réouvre la porte, d'accord. Mais ça. Je pourrais pas sortir de la salle avec, donc c'est forcément par là. Peut-être
Dans l'avant-salle. Oui, tout à fait. Très bien. Il est où? Donc il va ici. Ici. Allez, gamin. Allez. Comment ça se rend pas? Ah, parfait. Parfait aussi. On manquera de... Ouais, je m'y attendais. Ah, il lâche du pognon, lui, hein. Je vois le bout à choper, mais... J'aimerais bien qu'il tombe. Comment je le fais tomber peut-être en me mettant là, juste. Ah, je suis là, mec. Hein. Ah, même pas. Derrière le coffre. Ah d'accord, oh c'est si con que ça. Bah il est goldé. Bon bah ok. Et donc il y aura une troisième salle que j'ai pas. T'es atteint. Déjà ça. Parfait.
bien là. Il en reste un à défoncer sa gueule là. Il est là. Ouais, il est là mais pas là. Très bien. Parfait, parfait. Parfait, parfait, les enfants. Je suis vraiment... J'allais dire, je suis réellement pas sûr que ça puisse passer le sable, là. Effectivement. Lui il va tout déformer, non? Ah ouais, ouais. Par là, non? Effectivement, ici j'avais pas été. Je pensais que si, mais en fait, non. Voilà, un petit cœur serait pas de refus, hein. Oh d'accord. Je comprends le principe, on va dire, pour l'instant, mais il y a un système de poids à avoir, hein. Mais ah, il me faut le crocodile, d'accord. Mais là, il n'y a plus rien sur la plateforme. Merde. Je m'a trompé. Faut faire ça avec du sable, peut-être. Je comprends bien qu'il faut augmenter le poids. Ah, je crois. Mais ça n'a pas l'air de marcher cette affaire. Ah, ou alors ça, c'est... il faut l'enlever aussi, peut-être les serpents de mort là. Non, même pas. Ah merde. Comment je fais? Avec ce truc là encore. Ah, ça fait très légèrement monter, j'ai l'impression. C'est pas flagrant. Hein. Oh, la vache, quelle galère. Peut-être que tout ça enfoui sous le sable, ça donne plus de poids. Je sais pas, j'essaye de comprendre. La logique du jeu, on va dire. Allez, vas-y, hein. C'est rigolo. Il faut que j'équilibre l'autre côté. Mais cette aiguille ne bouge pas. Elle ne bouge de que dalle. J'ai l'impression qu'elle avait augmenté. Mais j'avais l'impression que l'aiguille, il fallait enlever du poids pour que ça monte.
J'ai enlevé du poids, ça a rien monté du tout. Et là j'en mets, ça monte rien du tout, ça rien, rien, nada. C'est absurde. Il y a quelque chose qui la bloque peut-être. Genre il y a du sable, j'en sais rien. Qui fait que l'aiguille est bloquée. Mais c'est pareil, l'aiguille elle peut clairement pas faire tout le tour. Ah d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Si je fais ça. Un peu trop de poids maintenant. Voilà, il va y en avoir beaucoup trop. Allez, j'enlève ça. Il y a le sable aussi là qui joue. Ouh, ça passe juste. Oh non, oh ouais. Oh, vous êtes chaud là. J'arrive pas à voir. Ah d'accord. Ça dit quoi là? Ça passe. Putain. Mettre là. Parfait. Ah, c'est fini, ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. C'était pas aussi dur que ce que je pensais du coup. Mais il n'y a rien à retrouver sinon dans cette pièce, on est d'accord. Merde. Ah bah oui, mais... Ah mais quelle idée de merde. Oh putain. Ouais voilà. Ok, très bien. Ah, j'ai peur de louper des choses hein, quand même. Ah, puis je peux même plus recommencer le truc de la balance ou quoi. Ouais, ça me fait un peu peur. J'ai vraiment pas envie de louper. J'aime. Ah mais ça monte. Oui d'accord, ça monte tout seul. Oh la triplette.
Ah, le cœur, il est où? Toi, je sais que t'es là. Oh bah, toi t'es là aussi. Je crois qu'il y a encore un autre violet, pardon. Ouais. Je vois. Non mais je ramasse Walou en cœur. Ah putain. Parfait. Déjà j'en ai quand même eu un. J'en ai quand même eu un. Plaisir le fric quand même. Ah. Attends. Ouais, je vais manger des coups, hein, tant pis. Casse-le si tu veux pas le secouer, tant pis. Ah oui, d'accord, je comprends l'idée. C'est moi. Et on revient là. Et du coup, c'était ça la porte. Ok, je comprends. Je comprends l'idée. Bon bah sortons. Beaucoup de fantômes dans cet hôtel de diverses origines, hein, quand même. D'accord, je sais pas comment faire ça. Ça, je sais. Comment je fais pour ça? Ah oui, d'accord. Je... Parce que c'est plus mieux de... D'accord, elle se laisse pas aspirer, ok, allez, chute.
Bah, j'ai l'impression que c'est la même chose d'aspirer ou de souffler. Ok, j'ai compris. Jamais. Oh merde, approcher trop près, ça. D'accord. Ah. Quelle connerie. Ah, il faut que j'aille les chercher les cœurs. Ah, j'ai pas le temps de... Bah, il s'est assommé tout à l'heure et là, il... Je comprends pas tout, hein. Du coup, je peux pas mentir que... Je croyais j'avais compris, mais en fait non quoi. Ok, ça, c'est bien. La prochaine fois ou encore celle d'après. Normalement c'est bon. Merde, bah ouais, ça je l'avais pas compris. Oh putain, mais il te lâche pas, hein. Aïe. Alors ça, comment je fais? C'est genre... Oui, d'accord. Simplement. Allez, on peut le faire. J'ai pas compris comment je les ai assommés tout à l'heure, hein, vraiment. Ça me dérange. C'était juste. Parfait. Ou non, à mon avis, il y aura encore une autre fois où je vais devoir la toucher. Enfin, faire ça alors. Ah putain, elle résiste, hein. Ah non, c'est bon. Parfait. Parfait.
Bah, très bien. Bien, bien, bien. Sans pression. Attendez, je vais quand même regarder un truc vite fait. Enfin, je voulais tester autre chose d'ailleurs. Non, c'est complètement OZEF. Je m'en doutais un peu, mais. Bon, je vais ramener ça au labo, je vais regarder un peu pour acheter genre le détecto-goût, le détecto-gemme, tout ça, tout ça. Parce que l'étage B2 et 10, on n'y est pas les enfants. Surtout l'étage B2 en fait, je comprends pas, enfin il me manque un truc c'est sûr. Enfin, il manque un truc, c'est sûr. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ok. Boutique virtuelle. T'en reviens. Voilà. Parfait. Détecto bouche, je l'achète. J'achète tous les détecto gemmes que je peux. Parce que je me dis qu'il va y avoir des gemmes qui vont indiquer pour le prochain étage. Et le problème, c'est que ça se fait aléatoirement, j'ai l'impression. Et j'ai envie qu'il m'indique surtout les étages où je suis déjà passé. Mais bon. Un dernier, parce que j'ai déjà quasiment plus de thunes, mine de rien. Explorer l'hôtel. On va aller à. On va retourner au 10. Très bien. On va retourner au 10, on va essayer d'attraper le bout. D'éventuellement trouver nos deux gemmes. Hein. Ah, il y en a une dans le couloir. Mais je m'en doutais qu'il y en aurait une quelque part ici. C'est trop. Je sais pas, c'est obligé. Alors le problème c'est que c'est pas forcément l'emplacement précis ici quoi. Pour trouver va savoir. Euh.
peut-être derrière un pot, il y a un passage pour Luigi que j'ai pas vu. Des tordus, pourquoi pas. J'arrive pas. Le problème c'est qu'il est quand même un peu surpris et tout. Il n'y a pas de flamme. Je pense que c'est plus un bug d'affichage qu'autre chose. Je sais pas, je longe le mur. Une grosse boule dorée là, non? Ah oui, très bien. Je vois. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont ressortir. Très bien. Très bien, très bien. Ça dit quoi là? Alors, tout est dans la même pièce, visiblement. Le bout et la gemme. C'était pas par là. C'est le trou qui est là, oui. Eh, je m'en doutais hein, qu'il y aurait quelque chose ici au niveau de la gemme. Alors, je refroidis. C'est soit celui-là, soit celui d'à côté. C'est le bon. C'est rabougri! Ouais, non, mais sincèrement, je m'en doutais quand même qu'il y aurait quelque chose dans cette pièce à trouver, mais alors... Le problème, c'est que je ne vois pas quoi. Hein. Ah, ça y est, j'ai... Parfait. Parfait. On a tout. On peut se barrer. Ah, c'est ce que j'avais demandé. Comment on fait du coup pour se... Oula, pardon, pour partir, mais ils ont pensé à tout.
Ils sont malins. Voilà. Laissez-moi passer. Ah, ça serait actif, ça, ouais. Je m'en doutais, j'étais pas sûr, mais... pas grave. Barre-toi. Laisse-les tranquilles. Bon bah, venez. Oh, saloperie. Ah, ça me gratte le dos. Ouais, bisous. Hein. Ouais. On va voir ce que ça dit. Mais en vrai, j'ai même pas besoin d'aller voir ce que ça dit parce que il m'en manque qu'un là-haut normalement de mémoire et il est indiqué. C'est juste que j'arrive pas à trouver l'endroit. Enfin, j'arrive pas à trouver comment accéder à l'endroit donc ouais, normalement, il y a rien à voir en fait, c'est juste je suis con. Non, il m'en manque qu'un. Et oui, d'accord. D'accord. Bon. Bah écoutez, je me dis que je vais bientôt arrêter, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller faire la 11? Je sais pas. On va aller tranquillement ramener ça, puis on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, peut-être pas le prochain live, hein, Luigi's Mansion, mais en tout cas celui d'après. Enfin, deux lives maximum et c'est fini. Hein. Probablement demain. Demain, je pense qu'on va faire Skyrim ou Luigi's Mansion. Hein. Les enfants. Super Meat Boy, on va en faire jeudi, vendredi. Peut-être pas samedi, parce que samedi, je disais, oh, j'en ferai samedi, peut-être, machin, hein. Mais samedi, je crois que je ne pourrai pas live, donc... si je peux pas live, c'est sûr que ce sera pas samedi, quoi. Qu'on en refera. Du Super Meat Boy. Mais on en fera jeudi, vendredi, je suis sûr. Puis peut-être demain, si j'arrive à me motiver, en vrai, mais... Je sais pas, j'ai envie de jouer à Skyrim aussi, hein, j'ai envie de commencer seulement. Vas-y, les gemmes, ça dit quoi? La chaufferie, il m'en manque une. Ok. Sous-sol, on a tout. Salle de concert, il m'en manque une. La salle de concert, en fait, ce qui me renforce ma conviction de... Il me faut un truc que j'ai pas encore... Et que c'est pour ça que je dis que dans le B2, il me faudrait quelque chose aussi que j'ai peut-être pas encore, une capacité en fait. C'est que c'est tellement obvious, je sais tellement où c'est, ce qu'il faut faire, que
il me faut un truc que j'ai pas, quoi, en fait. C'est obligé. Ça, on a tout. Ça, on a tout. Ça, on a tout. On a tout. On a tout. On a tout. Ok. Et après, il me restera. De 11 à 15, ça fait 4 étages. 11, 12, 13, 14. Non, ça fait 5. Ça fait 5 étages. Donc, il manquera 5 étages. Et oui, je pense que la prochaine fois. La prochaine fois, on fait la suite 11, donc en complet. La suite 12 en complet. Avec un peu de chance, peut-être qu'on aura enfin des réponses pour la suite 4 et B2. Donc on fera ça au complet aussi, peut-être. Et puis je pense que du coup, pour le dernier live, il nous resterait les 3 étages. Après avoir la longueur des étages et tout, hein, mais. Parce qu'il y a certains étages qui se font plus rapidement que d'autres. Mais à voir, à voir. Mais en tout cas, on est sur la fin. Je fais juste explorer l'hôtel pour sauvegarder. Sauvegarde. Parfait. Bah voilà. Encore une soirée de passer ensemble. C'était cool, c'était cool. God of War, je m'attendais à le finir ce soir. Luigi's Mansion, je savais qu'il n'y avait aucune chance que je le finisse ce soir. Mais je sais que c'est pour bientôt. Comme ça, vous avez vu ma jambe, je suis en short. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus. Mais ouais, en gros, il va y avoir. Je pense cette semaine, réellement, qu'il y a moyen qu'on finisse Luigi's Mansion. Et bah du coup God of War dimanche. Ce qui ferait qu'on aurait un nouveau jeu rétro. Et je vous le dis, hein, spoiler, je pense essayer de reprendre quand même Kingdom Hearts après Luigi's Mansion. Parce que bah, j'ai envie de faire les autres Kingdom Hearts, pas celui que je suis en train de faire actuellement, enfin j'étais en train de faire actuellement, qui est pas ouf. Mais déjà rien que le Kingdom Hearts d'après c'est Kingdom Hearts 2, donc et j'ai envie de le faire. Et je pense qu'il y a, il y a également moyen que, après avoir fait Kingdom Hearts Chain of Memory, on enchaîne directement pardon, sur Kingdom Hearts 2. A voir, à voir. On verra tout ça. De toute façon, on n'y est pas encore. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc, bah, demain, 20h30, normalement. Si tout se passe bien. Et donc, pour, normalement, du Skyrim. Et du Luigi's Mansion. Donc encore une fois, des gros bisous. À la prochaine. Et surtout, ne vous amusez plus.